Salut à tous. Salut. Bienvenue sur Gamers.fr. Salut Dayton. Salut Glazier. Et bah, New Super Mario Bros. Wii. Sur Wii. Sur Wii. Oui, parce qu'il y a eu New Super Mario Bros. Sur DS. Ouais, en tout cas, c'est pas New Super Mario Bros. PlayStation, par exemple. Hein, ça, c'est strictement impossible. C'est Wii. C'est Wii. Quoique, on disait bien que Sonic, ça irait jamais ailleurs que sur Sega. Au final, c'est sur toutes les plateformes. Et encore plus sur Nintendo. Encore plus sur Nintendo. Avec notamment Sonic et Sega aux Jeux Olympiques. Ne vendons pas la peau de l'ours. S'il faut un jour Nintendo, ils seront dans la merde. Non, ne la vendons pas. Voilà. Donc, alors un petit jeu fun à jouer à plusieurs. À jouer à plusieurs. Alors je sais pas, tout seul, tu l'as testé, qu'est-ce que ça vaut? Ah bah moi je l'ai fini. Oh bah moi, j'ai retrouvé les sensations de Mario, tout simplement. Alors, moi c'est la première fois que j'y joue. Hein. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est essentiellement basé sur la coopération, c'est ça? C'est ça. Attends, ne prends pas le champignon, laisse-le-moi. Mais il s'en va, hein. J'aurais pu le prendre. C'est pas grave. Non mais toi t'es déjà en champignon là. Là faut que tu m'éclates la bulle en fait pour m'aider. Ah ouais mais j'ai pas envie. C'est ça qui est fun. Regarde, hop là. Ah mais je te suis quand même. Ouais c'est pas grave. Mais si je te libère pas, tu joues pas là. Ah bah je m'en fiche. Voilà. Je vais arrêter de faire des conneries. Ah bah bien joué. Voilà. Alors en fait, moi je trouve qu'on reste dans l'esprit du premier Mario. Ah bah super. Ils ont su. Alors moi je reprochais un petit peu à Mario quand même de pas se renouveler. Que ce soit toujours la même chose, un petit peu quand même. Et là, finalement, là tout de suite, la manette en main, c'est fun immédiatement. Bah, t'as pas perdu tes repères. Ah non, mais c'est fun immédiatement. À deux, là, c'est vraiment super fun. Alors, j'ai pas souvenir, c'est la première fois que dans un Mario, on peut jouer à plusieurs comme ça. En même temps, ouais. Ah bah, c'est super. Franchement, c'est à se demander comment ça se fait qu'ils ont pas fait ça plus tôt, quoi. Bah ouais, je sais pas, mais... Et là, putain, le tableau ça grandit quoi, je veux dire, on n'est pas bloqué par. Oui, on n'est pas. On n'est pas bloqué par le. On est quand même obligé d'avancer au même rythme. Oui, mais on n'est pas bloqué par le. Quand on n'est pas totalement bloqué, si c'est ça que tu veux dire. Par le tableau ça grandit et bien sûr, il faut avancer ensemble, hein, mais sinon t'imagines après la taille des persos. C'est quand même très très bien fait. Ah non, il est vraiment sympa le jeu, je te dis, moi je l'ai fini, sauf le niveau 9 qui est... Il faut ramasser plein de pièces et tout ça, mais qui est en fait un niveau un peu plus difficile, mais qui rentre plus dans l'histoire du jeu, parce que bien sûr, l'histoire du jeu, c'est toujours la même. C'est sauver la princesse Peach. Sauver la princesse Peach, oui. Parce que celle-là, elle est vraiment... Cette Peach, elle est toujours... Cette Peach. Cette Peach, elle est toujours dans des situations hurluberlesques. Hurluberlesque, je sais pas. Oui. Bref, tu t'embarques dans... Ouais, tu t'embarques dans une histoire... Bah, hey, c'est que le Mario, il est célèbre, et quand t'es célèbre, t'as envie de niquer des gonzesses. Ouais. c'est ça, le truc. Bah, toi, pourquoi t'es journaliste, hein? Moi, je vais te dire pourquoi je suis journaliste. C'est pour avoir accès à de la bouffe bien meilleure qu'ici, et surtout pour niquer des gonzesses. Voilà. Et eux, ils sont toujours là. Hein. Et les frères Marteau. Voilà. Les frères... Donc on est quand même devant un Super Mario, pour moi, hein, je trouve. Voilà, hop, et Yoshi, regardez ça. C'est moi où, par contre, les contrôles sont un peu moins précis que dans les autres Mario. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'inertie dans le personnage. Peut-être. Après, oui. Après, je dirais que c'est peut-être la jouabilité, la Wiimote qui... Non, c'est dans le ressenti du personnage. Peut-être un peu. J'ai l'impression que c'est un peu fait exprès parce que justement, dans les premiers Mario, effectivement, il est important que les sauts soient précis et tout. Et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté un petit côté un peu plus aléatoire, bah justement pour renforcer le fun. Quoi. Alors vous imaginez quand même Mario qui est quand même une franchise super. Maintenant, elle se joue à plusieurs quoi. Oui. Ah, bien joué. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça énorme quoi. Si à l'époque, avec mon frangin, qu'on a eu Mario sur la c'est la NES, un peu ce qu'on a toujours voulu, hein, en fait. Hein. On aurait pu jouer ensemble. Moi, bon, je pense que mon frère aurait pété la manette. Bah, même quand on jouait à FIFA, il pétait des manettes. Mais dès qu'on jouait tout court, il pétait des manettes. Ouais, mais Non, mais le jeu vidéo ne rend pas violent. Hein. Non. Simplement, effectivement, pour certaines personnes, le stress plus l'énervement peut amener à des extrêmes. Il aide à extérioriser cet excès de violence qu'on a en nous. D'un autre côté, ça fait de la thune pour Sega, parce que comme ça, des manettes Mega Drive, ils t'en ont vendu à toi. Ah, ils ont vendu un petit paquet, merci frérot. Et puis bien sûr, ils me grattaient ma thune en plus pour acheter des manettes, donc comme ça... C'est vrai que...
À l'époque, tu gagnais beaucoup d'argent. Ouais, ouais, non, mais le coup d'argent que je faisais, il me disait, oh, c'est pour nous, c'est pour nous. Et puis, bah, c'était pour ses conneries, surtout, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il dépensait tout en drogue et en alcool. Non, il allait au tapin. Il allait au tapin. Il avait 13-14 ans. Il n'était pas journaliste encore à l'époque. Ben non, parce que bon, ça lui aurait fait plaisir. Donc en fait, pour toi là, jouer à deux, c'est quand même... Ah ouais, c'est super fun. Pour moi aussi. Ah ouais, c'est super. Alors fun. J'ai essayé avec ma femme, donc comme elle a pas trop la dextérité qu'il faut, on va dire qu'elle sait pas très bien jouer à ce genre de jeu. Mais elle a bien aimé quand même. Non mais jeu vidéo, c'est pas un truc de gonzesse de toute façon. Mais si, c'est un truc de gonzesse. Non, non, non. Mais si. Donc, à part là, Cooking Mama et puis ce genre de choses. Là, on va changer de mode. Ils ont pas fait Ménage Mama, tiens. Non. Ils pourraient. Tiens, pas d'aspirateur, on va laver mon slip, la femme. Mais non, on va manger aux gosses. Non, non, ils ont pas pensé, je sais pas pourquoi. Conchita Mama. Conchita Mama. Voilà. Donc on va faire un mode course aux pièces. Course aux pièces. Où le but est... Et de courir après des pièces. Et de finir le niveau avec le plus de pièces possible. Et ça, ça rajoute un peu. Alors ce qui manque dans ce New Super Mario Wii, on peut jouer à deux, il y a de la coop, mais il n'y a pas du multi en ligne. Ah. Et ça aurait pu être pas mal, moi. Ils ont pas fait le multi en ligne. Non. De toute façon, le multi, pour l'instant, ils sont pas encore très forts là-dessus. Ouais, et d'ailleurs, Miyamoto aimerait bien que Sony... Sony... C'est peut-être une révélation, non, ouais, que, non, que Nintendo s'y mette. Exclusivité Gamers Bay. Voilà. Et voilà, bon, donc là, on est parti. Alors, excuse-moi, je t'ai pas écouté, t'as dit quoi? Et bah, Miyamoto aimerait bien que... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Que chez... Que chez Sega, chez Sony, oh Nintendo, le tu jeu les as tous fait là. Le jeu en ligne soit un peu développé, un peu plus quand même, parce que là il est vraiment pas. Et... Donc là, le but c'est quand même de finir avec le plus de pièces à la fin du niveau. Et toi, est-ce que t'en as ramassé ou pas des pièces? Oui, un petit peu. D'accord, mais je crois que les pièces c'est les grosses qui nous intéressent. Je ne sais plus trop. Attends, mais je me confonds en fait avec toi. Ouais, moi aussi. Un peu brouillon ce mode, hein, du coup, j'ai l'impression. Bah ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement, c'est assez fun. Et voilà, je suis tombé. Ouh, super, bien joué, Thomas. Et tu continues tout seul. Ça, c'est gentil parce que... parce que dans un mode où il faut rattraper des pièces, si le mec, il te libère jamais, tu l'as un peu dans le cul. Un peu, ouais. Ah, tu m'as pris mon truc que je voulais faire, mais c'est pas grave. Oh, super, bien joué quand même, encore une fois. Oh, enfoiré. Mais attends, mais comment elles apparaissent, les pièces, là, je comprends pas. Oh. Merci. Alors, ils ont rajouté des petites subtilités de jouabilité. Ah, il y a des petits passages secrets. Ouais, tout, de jouabilité où tu peux. Par rapport au premier, bien sûr, hein, je disais. Ah, c'est vraiment un jeu. J'ai l'impression que c'est un jeu où les coups de tapin sont quand même. Voilà, donc là... Bon, je t'attends là. Merci. Et voilà. Donc ouais, non, ce petit Mario, en fait, il est fun quand même. Hein. Oui, il très pas... fun. Ouais. Franchement... Voilà. On vous a laissé un peu sans commentaire pendant quelques secondes, mais on était un peu... on se foutait un peu sur la gueule. Donc en fait, voilà, ce Mario, eh ben, regardez, comme il a pris deux pièces, eh ben, il finit devant moi grâce à trois petites pièces supplémentaires. Et voilà, ça s'appelle la classe. C'est comme les pins sur la cravate. C'est, voilà, c'est clair. Et tu verrais mes doigts, je peux dire que la collecte de pins, c'est pas facile. Je me suis niqué les doigts, moi, avec ces collectes de pins à la con. Donc voilà, donc un petit jeu sympatoche quand même. Et j'imagine qu'à 4, ça doit être super fun. Alors là, je peux ça pas dire. Ça doit être super brouillon. Ça doit être très très brouillon, j'imagine. Je pense vraiment que ça peut être pas mal. Donc ce Mario. Ce New Super Mario Wii, c'est un jeu qui. Bah, qui revient un peu aux sources, qui en innovant un peu. Combien ils vendent les jeux Wii? Comment ça coûte? 50 euros. 50-60 euros, ouais, ouais. Ça. Bah, prenez-le en occasion. Ouais. Si vous avez pas de potes. Prenez-le en occasion. Si vous, bon. Avez, si vous faites des soirées souvent avec des amis, achetez-le. Mais si vraiment vous aimez Mario, achetez-le tout court. Bon, vous faites-vous plaisir, quoi. Oui. Parce que bon, la Wii a pas de si bons jeux que ça, donc. Il n'y en a pas des tonnes. Non, donc, pour un achat à l'occasion, faites-vous plaisir. Moi, je me suis fait plaisir, en tout cas.
et je le regrette pas. Ouais, enfin, en tout cas, je vous dis quel plaisir. Tu pourras prochaine vidéo 10 minutes avec. Allez, à bientôt. Ciao.